Let's dance, cause tonight we're fire break. Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la série La Map, le mode. Aïe, et je viens de me taper dans l'écouteur. Donc pour le coup, oui, il y a Ingrid qui est présente, c'est pour ça que vous l'entendez se taper une barre, enfin peut-être, c'est même pas sûr. Pour le coup, on se retrouve sur la map, je ne sais plus le nom, un retour Windows, et là, pour la map, un deuxième retour Windows, et paf, dans le choix. Sur District 2, Der Machin, un truc, donc le nom devrait s'apparaître quelque part au-dessus de ma tête, normalement, c'est un nom allemand, donc moi et l'allemand, ça fait deux, comme d'habitude. Donc pour le coup, c'est vraiment une belle map, qui a pas mal de détails. Donc évidemment, comme d'habitude, je vais la découvrir, c'est juste que j'ai fait un petit tour sur moi-même, vite fait, et puis vu que j'ai déjà fait un essai de tournage, mais je me suis retrouvé comme un con le premier coup. Avant celle-là, je voulais présenter une map TP, mais qui marchait pas, un mode TP, mais il marchait pas non plus. Bon, bah pour le coup, je me suis dit, bon bah merde alors, on va partir sur un truc classique, je vais vous présenter un mode TP quand même, mais un mode que j'ai déjà utilisé, donc je sais qui les pas buté. Donc pour le coup, voilà, donc du coup on spawn ici, à cet endroit-ci, donc pour la première arrivée. Oh la voiture, au milieu de la comtesse. Donc voilà où ce qu'on spawn. Donc les détails sont vraiment très sympas, le mapper s'est vraiment fait chier. Donc par contre, j'ai pas le nom du mapper, je sais pas trop qui c'est, au moins que c'est LS Frogling Wing, je sais pas quoi, c'est encore un nom allemand. Donc évidemment, nom allemand, enfin map allemande. Non, allemand, logique. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un joli boulot. Oh, la caravane, elle bouge. Oh, attends, pour rentrer dedans. Oh. Ah non, on peut pas rentrer dedans. Dommage, ça aurait été trop beau. Mais en tout cas, on peut la déplacer. Bon, en tout cas, elle est un peu par terre. Elle a plus le cul par terre, mais c'est pas grave. Et par contre, on peut jouer avec. Voilà. Oh, il y a un vélo aussi. Donc du coup, on spawn directement en ville, donc du coup on va faire le tour de la map ensemble, bien entendu, on va la découvrir ensemble. Donc pour le coup, on va commencer tout de suite par le mode que je vais vous présenter. Donc c'est une excavatrice, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc c'est la case Pauquelin 688 pour le coup, donc on va l'acheter tout de suite. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi qu'elle est capable, de quoi qu'elle peut, les fonctions qu'on peut avoir avec. Donc pour le coup, alors sans outils, c'est tout simplement sans les supports. Donc du coup, les outils, c'est les patins, donc les patins stabilisatrices, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous pouvez choisir seulement l'arrière ou l'avant, ou les deux, logiquement. Voilà, les deux, donc les quatre patins, sans outils, benne avant. Support de benne avant, donc vous pouvez attacher une benne à l'avant, d'accord, ça je savais pas. Hop, voilà. Donc du coup, après, vous pouvez choisir vos pneus aussi. Donc vous avez deux différents pneus, donc vous avez du Michelin et du Mitas. Donc Mita, c'est roue jumelée, Michelin, c'est grosse roue, bien comme il faut. Configuration moteur, vous partez sur une base de 90 chevaux et vous montez maximum sur du 90 chevaux. En fait, ça ne mange pas, c'est juste la couleur du bordel qui change. Donc vous avez du Pauquelin de base, un autre style Pauquelin, les logos Colas, Eurovia, il me dit un truc ça là, voilà. Vous avez quoi encore? Bah c'est tout, vous avez du Eurovia, Colas, voilà. Donc, on va garder Pauquelin. Bon, peut-être à l'avenir, je pense qu'il y aura une mise à jour, parce que là, il me met configuration des jantes. Donc je pense qu'à l'avenir, on pourra peut-être changer ça. Vous pouvez changer la couleur d'à peu près tout. Roule maximum 25, normal pour une pelle, hein, c'est logique. Donc du coup, on va acheter ça. Et puis, on va regarder aussi les différents codés que vous avez avec. Donc vous avez deux différentes lames. Vous avez une lame comme celle-ci, et une lame comme celle-là. Alors, c'est ce qui est considéré comme la Pauquelin, une benne avant. Donc c'est vous présentez derrière là à cet endroit là et puis vous avez fait comme pour le godet, exactement pareil. Donc du coup, on va juste acheter un godet vite fait pour mettre sur la machine pour faire une petite démo. Après vous avez godet large lisse, godet étroit à dents et godet large à dents. Donc là c'est un 50. C'est un 50 et là c'est un 100. Parce que pour les godets on parle en millimètres, on parle pas en centimètres normalement. Même si c'est marqué en mètres là, mais bon c'est pas grave. Donc du coup vous avez deux styles de Pauquelin. Donc je pense que c'est la même connerie puissante, on va vérifier. Oui c'est exactement la même, je sais pas pourquoi il y a un double. Et vous avez aussi, parce que c'est un pack, vous avez aussi également cette petite remorque là qui a été modifiée pour le TP.
Bon, alors, après ce petit cut, hein, les amis, ouais, décidément, là, en ce moment, on me troll dans tous les sens et je peux pas tourner une vidéo tranquille sans être emmerdé à un moment ou à un autre. Bon, bah, je suis vraiment désolé, donc du coup, ça vous fera un petit cut supplémentaire. Donc, du coup, je disais, donc, on parlait de cette benne-là qui était modifiée pour le jeu. Donc, vous avez une capacité de 4000 de base, vous partez ensuite sur un châssis plat, puis c'est tout. Vous avez que ça, en fait. Voilà, c'est pas plus con que ça. Vous pouvez changer les roues, vous pouvez mettre une roue, et puis là, vous avez plusieurs types de roues. Des choses complètement classiques. Donc, pour le coup, on va pouvoir sortir du magasin, et puis on va aller pouvoir aller voir cette petite machine. Et pour le coup, c'est pas ici qu'elle spawn. C'est pas ici qu'elle spawn. Je sais même pas où est-ce qu'elle a spawné. Merde! Elle a spawné où? Ah, ici, c'est un point de vente. Attends, on peut rentrer dans le magasin? Ah non, on peut pas. Bon. Alors pour le coup, bah déjà on va faire ça pour voir. Ah oui, d'accord. Alors bienvenue sur l'Orient Express. Vous êtes actuellement dans les airs au-dessus de la flotte. Ok. Non, c'était pas ça. C'était ça que je voulais faire. Ah voilà. Allez là, la poclin. Donc du coup, on va regarder où est-ce qu'on a spawné. On a spawné par là. Donc comme dans mes habitudes, on regardera après les triggers, etc. Si ça marche bien pour surtout ceux du magasin. J'ai remarqué, c'est souvent ceux-là qui bug. Donc du coup, voilà la machine. Voilà le bébé. Donc qui est très très sympathique. Vraiment, les détails sont très très jolis. Le modeur, il a fait un boulot monstrueux. Elle est super belle. Alors pour le coup, pour ce mode-là, vu que je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Où est-ce que j'ai acheté n'importe quoi, où est-ce que je l'ai téléchargé, je vais tâcher de la retrouver. Normalement le lien se trouvera dans la description. Je pense que c'est, je crois savoir sur quel site que je l'ai téléchargé, donc je vais pouvoir vous mettre le lien en description ainsi que le lien de la map comme d'habitude les amis. Donc pour le coup voilà, donc du coup on va démarrer ça. Désolé sans moteur hein. Alors on va regarder un petit peu les différentes vues. Ok, on a une vue comme cela. On a une vue comme ça, et comme ça. Ok. Donc pour le coup, donc on va regarder un petit peu. Donc le petit truc qui est sympathique avec cette Poclain, les amis, c'est quand vous appuyez sur R, écoutez, le régime moteur qui monte, hein, c'est super intéressant. Franchement, moi j'adore. Ah oui, pour le coup, vu que j'ai pas mes. J'ai pas mes axes qui sont bien réglés. Bon bah pour le coup. Oups. C'est pas grave. J'ai mes axes qui sont pas réglés. Bon, après, elle marche évidemment, marche très bien. C'est vraiment une machine qui marche super super bien. Bon bah pour le coup, je vais pas pouvoir vous faire plus que ça parce que pas de bol, bah ça marche pas. Donc du coup voilà, le godet il est là. Je vais essayer de le mettre à l'envers. Oh merde, quel con. Enfin le mettre dans le bon sens plutôt. Hop. Donc c'est pareil, les collisions du godet sont extrêmement bien faites, sont très très précis. Et franchement, quand vous êtes avec, hein, pour les amateurs de pelle, franchement, vous avez que du plaisir avec cette machine. Et franchement, ça fait super plaisir. Donc du coup, on va faire tant qu'à y être. Hein, donc en plus, on est devant le concessionnaire classe. C'est super. Donc on va faire hop, le petit screen qui va avec. Donc pour le coup, voilà le magasin. Donc franchement, c'est super sympathique, les pancartes. Donc vous avez la 770 Lexion, vous avez le Xerion, vous avez un tracteur, on ne sait pas la série, vous en avez un autre là, là vous avez une ensileuse avec la grosse trémie à l'arrière, vous avez encore un Xerion qui se promène par là, donc je pense que ça doit être le même qui est là-bas, et puis la même ensileuse. Bon, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique. Tac, hein, donc vous avez quelques affiches, c'est vraiment sympa. Donc je vais essayer de me dépêcher les amis, parce que là on est déjà presque à 10 minutes, hein, donc je vais essayer de me dépêcher parce que la map elle est assez grande quand même, j'ai envie de faire quelques tours. Donc pour le coup, ce que je disais, oui, on va essayer les triggers. Je vais essayer le trigger. Est-ce que le trigger il marche? Oui, trigger il marche, super. Donc ça c'est bien, bon, il y a juste le train qui voilà qui se promène dans les airs. Coucou, coucou, coucou. Pardon. Donc du coup voilà. Bon, pour le coup, du coup, on va se prendre peut-être une bagnole quand même pour pouvoir rouler. Donc, ça, tant qu'à y être, ça va vous permettre de voir un autre mode que vous avez sûrement déjà vu. Pour le coup, moi j'ai ma mascotte. On va prendre la mascotte, tiens. On va prendre notre mascotte. On va prendre ça et puis on va la prendre en noir. Je la trouve super sexy en noir. Voilà, acheter. Paf, paf, tac, tac. Voilà, donc voilà, voilà la mascotte de la chaîne. J'adore cette mascotte. Donc, voilà. Donc pour le coup, on va aller se promener tranquillement, les amis. Je suis obligé de descendre pour ouvrir. Ah oui.
Oh, c'est pas automatique. Oh. Donc du coup ici on commence, on est déjà en étant en sortant. On va se remettre le PDA les amis. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la map, enfin si je sais même plus si j'ai présenté, si je vous ai montré la, si je vous ai montré la map. Oh, il y a des feux. Bon, ils sont pas actifs, mais au moins il y a des feux. Ah, j'ai trouvé un bug. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente les nouveaux styles de ralentisseurs, les ralentisseurs invisibles. Super. Bon, il y en a de faire gaffe si vous avez une béquille de remorque qui traîne un peu trop bas. Vous risquerez d'être stoppé très vite. Franchement, à part des petits bugs qu'on trouve très, que je trouve très souvent sur les maps, franchement, les détails des maisons, c'est vraiment super joli. Les bâtiments sont très très jolis, très bien faits. Franchement, c'est très très sympa. On a une station essence. D'accord. Bon, bah c'est sympa. Bon bah pour le coup j'espère que les amis vous aimez toujours autant, enfin j'espère que vous appréciez toujours autant que moi de visiter comme ça des maps tous les vendredis. Franchement moi, ça me fait super plaisir, ça vous permet, enfin moi ça me permet de visiter des maps qui pourraient m'être utiles par exemple pour faire des nouvelles séries ou faire ce genre de trucs là. Et bah, en même temps ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a de récent parce que cette map là ça fait pas longtemps qu'elle était sortie, elle est assez récente quand même mine de rien. Je me demande même si je suis pas dans les premiers à l'avoir présentée. Je suis pas sûr mais je dois être dans les premiers je pense. Donc du coup voili-voilou. Oh c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Bon ce que je reproche un petit peu quand même c'est que les champs sont relativement carrés. Bon c'est une map qui est immense donc c'est une map qui est prévue plus pour du multi les amis, pour du solo vous risquez très vite de vous faire chier. Mais autrement c'est une map très très sympa, vraiment très très sympa. Oh la ligne droite un peu, regarde-moi la ligne droite. Oh la vache. Pour faire de la course là. Et là je vais monter facilement à 200 à pleine balle, 220 km/h. Donc pour ceux qui seraient tentés aussi de me poser encore la question, as-tu reçu ton volant? Non, je n'ai pas reçu mon volant pour le coup, parce que tout simplement, je n'ai pas été livré. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit 36 000 fois, quand je recevrai mon volant, je vous ferai une petite vidéo pour bah, une la première, pour le coup, la première vidéo unboxing. Donc je ouvrirai le colis avec vous, les amis. Ah ouais sympa. Sympa les meumeux. J'ouvrirai le colis avec vous les amis. Donc vous inquiétez pas, arrêtez de me poser la question sans arrêt parce qu'au bout d'un moment ça va devenir très très vite chiant. Et bah pour le coup soyez patient. Moi je suis obligé d'attendre, j'ai pas le choix. De toute façon je vais pas vous prendre un volant, je vais pas le chier. Clairement, je vais pas pouvoir le chier. Ça fait un peu gros quand même. Du coup voilà, soyez patient. Vous inquiétez pas, vous aurez votre vidéo, il n'y a pas de souci. Je le ferai. Mais bon, arrêtez de poser la question, voilà, tout simplement. Ouais, c'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très très sympa. Alors ici, je pense qu'on va approcher. Tour! On va approcher. Oula, oula. Marche arrière, Jean-Claude. Fais marche arrière. Voilà. Tourne. Nickel. Donc là, on arrive à une grande plate. Putain, la vache, c'est immense. Là, on arrive à sur une immense plateforme pour tout simplement créer votre ferme. Donc là, franchement, ils ont vraiment été très très généreux sur la taille. Ils se sont même fait chier à faire une clôture tout autour. C'est vraiment super joli. On va regarder un peu les détails. Ah oui, joli. Oui, j'aime bien. Ouais, c'est pas réellement 3D, mais... Mais c'est joli quand même, franchement c'est joli. Ils se sont emmerdés quand même à faire ça sur tout du long. Vu la taille de la plateforme, si je crois qu'il y a trois possibles, il y a trois endroits possi de possibilité de faire une ferme, je crois. Ah oui, effectivement, il y en a une là, il y en a une autre là, une autre là. Donc c'est à peu près les mêmes tailles, je pense. À part celle-là, elle m'a l'air un peu plus grande. Donc ils ont fait ça sur tout, franchement, ouais, chapeau. Ils ont fait un super boulot, c'est vraiment très 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 joli. Franchement, ouais, c'est une super super map. Pour du multi, si vous voulez faire vraiment du gros 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 matos, bah c'est la map. C'est franchement, je vous la conseille. Après, c'est sûr que c'est des grands champs, donc si vous voulez la faire, si vous voulez vous la taper en mode solo, vous allez très très vite vous faire chier parce que les champs sont immenses. Ou alors vous prenez, ou alors si vous prenez des modes complètement cheat qui fait 50 mètres de large ouais, et plus. Oui, c'est sûr que là, les champs, ça va être très vite torché.
Mais bon, je pense que la base sur farming, ce n'est pas d'utiliser du matériel complètement pété, et c'est vraiment de jouer le plus réaliste possible. Donc du coup, bah voilà, voilou, bah je crois qu'on a fait. Ah bah on a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour, d'accord. Est-ce que l'eau est physique? Non, l'eau n'est pas physique. Et là, ça m'a l'air vachement profond quand même. Ah oui, c'est profond. C'est profond. Oula, ah oui, j'ai même pas fait gaffe à ça. D'accord. Ah oui, il y a même de la poiscaille. Eh, regarde. Oh, la belle truite. Bon, la belle truite qui est passée, à mon avis, entre deux planches, parce que vu comment elle est épaisse, la vache, il n'y a pas grand-chose à bouffer là-dessus. Ouais, franchement, c'est sympa. Les pylônes sont bien foutus. Ah, c'est la première fois que je joue des pylônes comme ça, tiens. Ah ouais, sympa. Vraiment sympa. On va peut-être aller chercher le pick-up. Il est où le pick-up? Mon pâté est pick-up. Merde, je suis paumé. Allez là-bas. Hop, 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 hop là. Ouais, franchement, c'est sympa. Le petit ralentisseur invisible. Ouais, mais mes contenants, franchement, les détails sont très très sympas à voir. Donc, il y a pas mal de points de vente sur la map, les amis. C'est. Je crois qu'il y en a. Je précise pas. Je précise pas combien de points de vente il y en a. On va essayer de les compter pour le coup. Donc, moi, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 points de vente. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Vous avez. Deux stations de carburant. Vous avez un trigger pour acheter des poules. Enfin, je pense que ça, c'est une négociation en bétail. Donc, vous pouvez tout acheter dessus. Donc, poules, poules, cochons, etc. La totale. Là, c'est quoi? C'est station de chaud. Donc, vous pouvez acheter de la chaux. Vous avez quoi encore? Donc, là, c'est le magasin. Logique. Bah, c'est tout, je crois. C'est tout. Bon, c'est vraiment pas mal. Ah, le BGA. Tiens, on n'a même pas été voir le BGA. Allez, rendre visite au BGA. Ah, oui, d'accord. Vous pompez carrément dans le bol. Ok. Oui, et pour sortir, chef. Ah, c'est mieux. Donc, du coup, voilà le BGA. Bon, là, des gros silos. Alors, ça, c'est le. Merde, j'ai paumé le mot. La fosse à caca. Là, il y a tout le caca. Pas le caca, c'est plutôt du digestat, vu que c'est un peu gaz. Mais c'est pas grave. Ouais, franchement, c'est sympa. Vraiment très sympa. Après, je pense qu'il y aura peut-être des améliorations qui seront faites. Je pense. Mais ouais, franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je me. Ouais. C'est une map sympa qui demande pas beaucoup de ressources, à mon avis, même si elle est assez lourde quand même. Elle fait 800 MO. C'est une map qui est assez lourde quand même. Mais voilà, je pense pas qu'elle va pomper sur des FPS à mort. Ah tiens, j'ai en train de monter une éolienne. Ah, pas mal. Je pense pas qu'elle va pomper à mort sur les FPS. Après, moi j'ai un PC assez conséquent, donc automatiquement, moi ça passe plus facilement. Mais sur des petits PC, je pense qu'elle passerait quand même relativement facilement. Peut-être pas en. C'est quoi ça? Hein? Excellent. Ah, oula, une vache miniature. Regarde-moi ce petit rikikiki. Excellent. Ouais. Donc ouais, ce que je pense que ça devrait passer sur des PC, peut-être pas en qualité graphique max. C'est possible que vous soyez obligé de descendre un petit chouïa quand même la qualité, mais bon, au moins ça reste, je pense, quand même jouable. Bon, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé sur la partie au début, j'ai eu des petits bugs. Sympa la fin de route. Ah, ils ont carrément mis l'appel pour vous empêcher d'aller plus loin, quoi. Et là, on arrive où? Bah, on arrive là en fait. Ouais, sympa, sympatoche, c'est sympatoche tout ça. Donc du coup voilà, bon bah je pense que on aura fait le tour les amis. Bah pour le coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, le bordel va s'activer quelque part dans le sens, quelque part sur l'écran, vous verrez bien arriver, avec le petit pouce bleu qui va bien avec. N'hésitez pas à commenter un maximum si vous avez quelque chose à dire sur la map ou une petite question. Et puis si vous n'avez pas vu la nouvelle série qui est apparue sur la chaîne, donc le jeudi tuto, je vous invite à aller voir dans la série le jeudi tuto. Et puis sur ce, au pire je vous mettrai en fiche quelque part. Et puis sur ce, moi je vous dis salouche! Non, c'était pas bon. Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to